Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Bouge ta créativité. Aujourd'hui, je te propose un tuto pour réaliser des étoiles à mettre dans le sapin, en béton et en résine avec des copeaux d'or à l'intérieur ou dessus. Pour réaliser ces étoiles, il te faudra un moule en silicone avec des formes étoiles, du béton créatif, de la résine, des copeaux d'or avec de la mixtion, alors là, je ne les ai pas mis, mais il en faut absolument, et en option, des paillettes et des petites formes en bois à couler dans la résine. Commence par faire ton mélange béton-eau, comme indiqué sur le packaging. Il faut que ton mélange soit bien homogène et qu'il reste un peu pâteux, pas trop liquide. Une fois que c'est bien mélangé, coule-le dans 4 des étoiles du moule. Ensuite, procède au mélange de la résine, donc résine plus durcisseur, en respectant vraiment bien ce qui est écrit sur les contenants. C'est très important car la résine est assez sensible et si le mélange est mal fait, ça peut jaunir et ça peut être aussi moins transparent, moins translucide ou avoir des traces à l'intérieur. Ensuite, mélange tout doucement, mais longtemps, pour éviter les bulles. Les bulles resteront emprisonnées dedans et on peut voir d'ailleurs que moi, j'avais pas la bonne résine. J'avais une résine de glaçage au lieu de la résine d'inclusion et j'ai mélangé un peu trop fort. Bon là, c'est en accéléré sur la vidéo, donc forcément, ça paraît très fort, mais en fait, j'ai pas fait à ce point-là. Et du coup, j'ai des petites bulles qui sont restées dans mes étoiles. C'est pas très grave, c'est joli, mais vaut mieux éviter quand même. Une fois la résine bien mélangée, tu peux la couler dans les 4 dernières étoiles de ton moule. Et maintenant, incorpore dans la résine des petits morceaux de copeaux d'or, grâce à un bâtonnet en bois par exemple. Dans 2 étoiles, moi j'ai testé de mettre des formes en bois, mais honnêtement le résultat n'est pas génial, donc je te conseille plutôt de rester sur 4 étoiles avec des copeaux d'or dedans. Et voilà, donc maintenant il faut laisser sécher pendant 24 à 48 heures. Patience! Une fois le béton et la résine bien pris, bien dur, tu peux les démouler. Et maintenant, on va coller les copeaux d'or sur le béton. Pour ça, tu mets un peu de mixtion sur un pinceau, tu l'étales sur quelques endroits des étoiles en béton et tu colles tes petits copeaux d'or dessus. C'est magnifique, j'adore. Et voilà, plus qu'à mettre des petites ficelles si on veut les accrocher dans le sapin. Si tu veux les laisser sur une table, eh bien c'est fini, c'est tout prêt. Sinon, fais comme moi, tu passes 3 tours autour des branches des étoiles, tu fais 3-4 petits nœuds et ensuite une boucle avec des petits nœuds aussi pour pouvoir les suspendre. Et voilà, de jolies étoiles dans le sapin.